Bonsoir. Merci. Messieurs les conseillers principaux de la République démocratique du Congo ici représentés, Madame la commissaire à la culture, ville-province de Kinshasa ici représentée également, très chers journalistes, hommes et femmes amoureux de la culture, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole respecté. La circonstance qui nous réunit ce jour a été bien communiquée. Il s'agit donc du lancement officiel des activités de Bull Malebo Music Award. Le programme tel que retenu après les hymnes nationaux de tous nos deux pays serait donc un mot de bienvenue qui va intervenir tout à l'heure, qui sera suivi de l'explication du projet Bull Malebo Music Awards. Juste après, nous inviterons le coordonnateur Bull Malebo Kinshasa, en la personne de Dieudonné Ngumba, à vouloir placer un petit mot de circonstance. Bien après les mots de circonstance du coordonnateur Bull Malebo Kinshasa, suivra le mot du coordonnateur Bull Malebo Brazzaville. Ensuite, il sera question de revenir à la symbolique qui constituera donc à vous expliquer les sens du trophée retenu pour cet événement. Bien après, ce sera donc le lancement officiel des activités de Bull Malebo Music Award qui sera effectué par les conseillers à la présidence qui représentent donc ici messieurs les conseillers principaux du chef de l'État en charge de la culture, art et questions religieuses. Ainsi donc, c'est pour nous un honneur et de vous voir abandonner vos multiples occupations en vue de prendre part à ces points de presse qui consacrent le lancement officiel des activités du projet Bull Malebo Music Award, qui n'a besoin finalement que de votre soutien, tout en vous souhaitant la bienvenue en ces lieux, dans ce joli cadre du village Chetemba, trouvé par ces mots. Au nom de l'ensemble du comité Bull Malebo Music Award, l'expression de notre gratitude. Parce que nous parlons de Bull Malebo Music Award, qu'est-ce donc ces concepts, cet acronyme? L'idée Bull Malebo Music Award est une initiative portée par un poignet et culturels de l'île du Bull Malebo qui ont la ferme assurance que la culture, entendue comme le patrimoine culturel sous toutes ses formes conjuguées à la créativité, est à la fois un outil crucial pour la reconstruction et le relèvement de nos villes. La République du Congo et la République démocratique du Congo qui ont signé il y a peu un accord sur la construction d'un pont routier entre Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde, sont en passe de devenir deux métropoles siamoises que l'humanité n'a jamais connues. Cette idée veut dire combien savante est en pratique déjà en tout cas renforcée par les échanges culturels que Bull Malebo Music Award veut faire revivre simplement. Ces concepts dévoilent donc les rêves de voir les deux capitales les plus rapprochées du monde se rapprocher davantage pour cimenter leur unité sur les fils des eaux du majestueux fleuve Congo. Et donc, mis à part
quelques petites incompréhensions qui nous sont arrivées dans le passé, la République démocratique du Congo partage une histoire commune, renforcée par une disposition géographique presque naturelle qui fait d'elle deux pays frères, une réalité qui se révèle autant sur le plan sociologique et culturel avec comme conséquence un métissage de peuples de deux rives. Brazzaville et Kinshasa vivent ensemble depuis des lustres, à telle enseigne qu'ils partagent le même quotidien. Culturellement, ces deux capitales les plus rapprochées du monde dénotent une complicité sans pareil, faisant d'elles, pour ce qui est de la musique, une véritable charnière de la chanson africaine. Et dans cette perspective, l'idée du pont sur le fleuve devant faciliter les échanges économiques doit être fondamentalement soutenue par le concept d'un pont culturel faisant autrefois la force de la musique du bassin Congo. Le but de ce projet est donc de promouvoir la culture de deux Congo de manière générale et particulièrement la musique en vue de construire un vivre ensemble, gage du bien-être commun et du développement de peuple. Les objectifs sont donc de vouloir renforcer l'unité de peuple de deux rives au travers d'une rencontre musicale annuelle qui réunira une centaine d'acteurs de la musique. Vulgariser la musique du bassin Congo en récompensant la créativité dans l'optique d'augmenter la productivité des artistes ainsi que des différents acteurs intervenant dans le secteur de la musique de dit Congo. Encourager les échanges entre les artistes et autres opérateurs culturels dans la dynamique et revendication du statut du bassin Congo comme berceau de la musique africaine. Promouvoir la collaboration, le partage d'expériences entre autres et entre acteurs de la musique du Pool Malébo, préserver les capitales culturelles et musicales de deux peuples, les capitales les plus rapprochées du monde, en mettant en place un magazine culture multicanal Pool Malébo Music Award. Et donc, pour ce qui est du concept Pool Malébo Music Award, c'est une activité qui va s'organiser chaque année pour gratifier les acteurs du secteur de la musique de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville. C'est une grande soirée de gala qui se déroulera de manière rotative respectivement sur chacune des villes de deux rives. Celle-ci est soutenue et animée par des différents artistes invités et retenus par l'organisation. Un jury composé des experts est mis en place pour départager et sélectionner les meilleurs challengers d'une part, d'autre part, un système de voting par des grands électeurs soigneusement et rigoureusement sélectionnés sur les deux rives qui vient appuyer le travail du jury à un apport extérieur. Ce système de voting est composé d'un panel d'au moins 200 personnes sur chaque rive choisies parmi les chroniqueurs, les amoureux de la bonne musique, les acteurs qui accompagnent la musique, bref, les culturels. Les autres détails du déroulement des activités sont donc à trouver dans la fiche technique du projet Pool Malébo Music Award. Plusieurs catégories à récompenser, prix d'honneur. Ceci concerne donc les hautes personnalités publiques, les grands musiciens et artistes décédés et les meilleurs événements marquants de la musique, les prix spéciaux du jury, prix de l'immortel et prix souvenir. Les prix de la décennie qui concernent donc les meilleurs mécènes, meilleurs artistes, meilleurs événements. Ceci concerne donc les mécènes et artistes et autres événements. Prix Pool Malébo Music Award, c'est donc le prix du meilleur artiste, ça concerne les artistes.
autant de la musique chrétienne que de la musique profane, meilleur mécène, meilleur chanteur, meilleur sapeur, le prix de la diaspora. C'est donc un prix qui sera décerné aux artistes de la diaspora, mécènes de la diaspora, révélation des spectacles de la diaspora, et un prix annuel qui va donc consister à primer les meilleurs artistes, meilleurs chanteurs, meilleure chanteuse, meilleure chanson, meilleur orchestre, meilleur artiste tradimoderne, meilleur album, meilleur générique, meilleur animateur, meilleure danseuse, meilleur spectacle, meilleur sponsor, meilleure boîte club, meilleure radio, meilleure télévision, meilleur clip, meilleure révélation, révélation de l'année, musique profane, révélation musique chrétienne, meilleur label, meilleur artiste chrétien, meilleur album chrétien, meilleur mécène, meilleur featuring, meilleure émission, meilleur sapeur. Et donc, l'organe de direction du Pool Malibu Music Award est donc chapeauté par un superviseur général qui a la charge de la gestion du comité directeur général du projet. Ces comités sont représentés dans chacun des pays par un coordonnateur pays ayant donc à sa charge un comité local composé d'un coordonnateur adjoint, un secrétaire et un chargé de finances, un chargé de marketing et communication. Voilà succinctement brossé, mesdames, messieurs, l'esprit de l'information principale qui consistait donc à vouloir être disponibilisé pour le professionnel de la presse et le grand public par rapport à ce projet en cours. Voilà qui m'oblige donc à revenir rapidement dans le programme. Tel qu'annoncé, la parole sera donnée à messieurs Dieu de Noël Yamouba, coordonnateur pour le Malibu comité de Kinshasa. Dieu de Noël Yamouba, vous avez la parole. Bakaya kinyo pote mungyoko Kinshasa braza ezali mboka moko Kaka ebalende kabola biso. Mesdames et messieurs, les représentants de toutes les personnalités qui ont été cités tout à l'heure par monsieur le commissaire général de l'événement Pool Malibu Music Awards, chers confrères, si nous avons décidé de créer cet événement, c'est parce que nous savons que la musique reste l'art par excellence. On peut communiquer. La musique reste l'art qui peut réunir facilement les peuples. Pour cela, je vous invite à vous souvenir du chanteur Edo Gaga, qui s'est retrouvé ici à Kinshasa comme cofondateur de l'orchestre Côté Jazz, accompagné de ses compères Luambo Makiadi, Mujos Moulama et tant d'autres qui faisaient partie de l'orchestre à l'époque. Nous devons nous souvenir également de Pablo Munka, qui s'est retrouvé ici à Kinshasa pour évoluer aux côtés des Gabonais dans l'orchestre African Fiesta National ou le peuple. Souvenons-nous également de Youlou Mabiala. Youlou Mabiala qui a connu son apogée au sein de l'orchestre tout puissant au Kéjaz, de Luambo Makiadi, qui l'a considéré d'ailleurs à un certain moment comme son fils héritier artistiquement. Et nous savons tous aujourd'hui qu'il y a bon nombre de jeunes gens qui traversent le fleuve Congo pour aller évoluer dans les ensembles musicaux de Brazzaville. Souvenons-nous également de la rythmique semblable entre Wenge, Musica, BCBG, 4x4, tout terrain, et l'orchestre extra musical de Brazzaville. Cela veut dire que nous sommes un seul peuple. Et cet événement culturel pour le Malibu Music Awards va donc nous permettre de raffermir davantage les liens socioculturels, les liens politiques qui existent entre les deux peuples du fleuve Congo, Brazzaville. J'ai cité le peuple de la République du Congo et le peuple de la République démocratique du Congo.
Voilà, en bref, ce que je peux dire sur Paul Malebo, musique néoise. Je vous remercie donc d'avoir disposé votre temps pour venir ici en ce lieu, nous écouter, afin que vous puissiez comprendre ce projet. Et tout ce que je peux vous dire, c'est tout ce que je peux vous demander, c'est de vous dire, de prendre pour votre ce projet, parce que nous sommes des culturels et nous savons que la culture met au centre de la société l'homme, l'homme qui est le principal acteur du développement d'une société. Merci. Kinshasa, c'est donc le temps de passer la parole au coordonnateur. J'ai la question religieuse du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, distingués invités, la coordination de la République du Congo du concept Paul Malebo Fomama en cible remercie le comité d'organisation de la RD Congo pour ce grand projet culturel très fédérateur en son sein. En effet, il sait de dire que cette idée de créer un pont artistique et culturel entre Brazzaville, elle a été restée jusqu'à nos jours sans séquence. Grâce à la synergie et le dynamisme des chroniqueurs de musique des deux pays, la RD Congo et la République du Congo, ce projet semble aujourd'hui porter les germes de son éclosion véritable. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers confrères, rappelons que Brazzaville et Kinshasa ont toujours partagé depuis des lustres, comme l'a dit le coordonnateur de la RD Congo ici. Brazzaville et Kinshasa ont toujours partagé la même réalité culturelle. Il a donné des preuves. Nous citerons Jean-Serge Sou, je veux revenir, Prozesse, qui fut congolais de Brazzaville. Voilà. Il a été le premier chef d'orchestre émérite de Hockey Jazz. Félicien Fouca, qui a également marqué de son empreinte son passage ici. Yulu Mabiala, il a cité, et Edo Ganga, patriarche de notre musique actuelle, je le dis, la rumba congolo-congolaise. Les exemples sont légion. C'est donc dans cette optique que nous affirmons que cet événement est une véritable illustration de convivialité culturelle. Nous osons espérer que les artistes, musiciens, mécènes, producteurs, j'en passe, de Brazzaville et Kinshasa, trouverez ici une vraie plateforme d'expression, de visibilité et de reconnaissance de leur talent. Au nom de la délégation que je conduis, je ne pourrais finir mon propos sans pourtant remercier les gouvernements des deux pays, la RD Congo et la République du Congo, pour leur contribution à l'émergence culturelle. Les confrères et le comité d'organisation du concept Pomama pour leur accueil ultra chaleureux à nos réserves. Nous nous souhaitons bonne chance et longue vie à Paul Malebo Music Award. Je vous remercie. Merci, André Akane. Parce que les concepts existent, mais le plus important, c'est toujours la symbolique qui en résulte, qui reste gravée dans la mémoire, sinon dans la mémoire collective, je voulais dire. Tel qu'annoncé, ce sera donc le moment, à travers les visuels qui sont disponibles juste derrière nous, à côté et partout, même sur les invitations, le trophée Paul Malebo Music Award, qui a
en son sein toute une symbolique. La personne qui va expliquer, c'est donc de lui, le géniteur, qui a eu l'idée. Pour que les autres viennent l'accompagner, il y en a qui l'ont accompagné en tant que créateur, et aujourd'hui, nous sommes ensemble. Ce sera donc Charlie Balaka qui va prendre la parole, producteur de musique en son temps, autrefois directeur de marketing chez... Je vais dire que là, au plus vite possible, ainsi, il faudrait que je vous transmette l'explication que l'artiste Christian Miguelou m'a donné par rapport au trophée pour moi, les bonnes musiques en bas, qui est juste derrière nous. Je vais me permettre de me mettre debout. De vous permettre de bien comprendre l'explication. Même en noir ici, c'est du bronze fumé et il y a le paquet ici qui représente systématiquement deux micros. Là, vous voyez un Congolais de Kinshasa, l'autre un Congolais de Brazza, tous deux dans une pirogue. Pirogue, la pirogue qui représente le moyen de transport que nos ancêtres de Kinshasa et de Brazza traversaient pour leur business, pour leur visite. Voilà. Il y a deux drapeaux qui représentent la République démocratique du Congo et l'autre drapeau, la République du Congo. Je suis bref et je crois bien que c'est ça l'explication qu'on fait pour Malébo Music Award. Que Dieu bénisse pour Malébo Music Award. Je vous remercie. Merci. Pour l'initiative qui vient d'être mise en place. Et donc, je sais que les gens sont dans la soif. Une conférence de presse viendra pour rentrer dans le plus grand détail. Mais le plus important maintenant, c'est que la manifestation proprement dite est projetée pour très bientôt. Et ce sera donc à l'hôtel même nuit. Mais pour l'essentiel, gardez-vous, nous gardons encore beaucoup de surprises pour vous. Mais tout en sollicitant votre accompagnement, surtout les professionnels de la presse, les sponsors, vous avez vu que même à l'entrée, un backdrop a été placé, réprimant pratiquement tous les annonceurs, sinon tous les médias. Et en bas, nous avons écrit « Nous avons besoin de vous tous ». C'est simplement un appel qui est lancé à tout le monde. C'est lui qui a une idée, c'est lui qui a un apport pour que ses rêves puissent devenir une réalité. Nous apprenons que le pont Roudraï a déjà été financé à la hauteur de près de 200 millions de dollars, mais nous n'en sommes pas là-bas. Le peu qu'il nous faudra, en tout cas pour dresser ce pont culturel, nous en avons amplement besoin et c'est pour bientôt. Alors, pour ne pas abuser de votre temps, avec tout honneur, nous avons donc été honorés par la présence du représentant, du conseiller principal, du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, le représentant et lui-même conseiller à la présidence également, parce que le conseiller principal est empêché dans une autre manifestation officielle. Et donc, c'est lui qui va procéder au lancement officiel des activités de Poule Malébo Music Award. Avant qu'ils ne prennent la parole, vous n'allez pas vous fatiguer. Je voudrais qu'on applaudisse, qu'on acclame quand même pour cette marque d'honneur. Malébo Music Award, chers journalistes, distingués invités, c'est pour moi un véritable honneur de me voir être associé dans la réalisation de cet événement qui vise à valoriser le patrimoine culturel de nos deux pays respectifs. Des sites, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Et cela est initié par un groupe de culturels de dérive du Poule Malébo. Nous pensons que cela mérite nos félicitations. Nous saluons également aujourd'hui, c'est beau de voir que ces deux pays, comme venaient de le dire mes prédécesseurs qui ont pris la parole, qui sont côte à côte avec les deux capitales les plus proches du monde et qui ont déjà dans son actif, dans leur actif,
les échanges culturels denses qu'on ne peut pas finir à mentionner ici. Nos langues, traditions, nos coutumes, histoire, l'anthologie. Et en son temps, il y a un chanteur qui a dit « Kinshasa et Baza, les animaux camerons, Kaka, le balai et Kabola Bissau. » En nous ici, Kinshasa et Baza constitue une seule île, c'est le fleuve Congo nous sépare. Ceci dit tout. Et nous pensons que de telles initiatives permettent que ces échanges culturels soient encore rapprochés davantage et que cela puisse cimenter l'unité de ces deux pays voisins. Nous saluons les soutiens de Son Excellence le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, qui n'a pas hésité de voir des initiatives qui entrent dans sa vision. Bien évidemment, j'ouvre une parenthèse en disant l'organisation a dit que et cette partie culturelle mérite beaucoup d'attention. Nous pensons que cette attention-là, elle est mise. Rappelez-vous du discours d'investiture du chef de l'État, il a été clairement dit que sa vision, c'est de créer un Congo fort dans sa diversité culturelle. Et cela a été matérialisé par son programme, qui parmi les quatre piliers du programme quinquennal, figure en première place l'homme, qui dit l'homme, dit identité et dit valeur culturelle. Donc nous pensons que nous saluons l'initiative et nous appelons également acteurs de la culture et ainsi que les partenaires qui peuvent s'associer à l'organisation pour qu'ils puissent voir cette initiative se matérialiser parce que, comme vient de le dire l'organisation, nous ne sommes qu'au lancement officiel. Nous souhaitons plein succès à Cool Malebo Music Award. Je déclare officiellement ouvert les travaux de la première édition que vivent les deux pays et que vive Cool Malebo Music Award. Je vous remercie. Merci aux amis de la culture, merci à tous les invités qui ont répondu, présents à cette manifestation. La suite du programme est bien simple. Un petit buffet est prévu de l'autre côté, l'organisation va s'en occuper. Bien là, on avait compris, vont s'intéresser au rafraîchissement. Il y en a qui vont souhaiter peut-être remplir quelque chose dans le ventre, s'il y en a. Et donc, le protocole va s'en occuper dans quelques instants. Tout en vous disant merci une fois de plus. Et nous avons besoin de votre soutien, nous le réitérons. Merci aux amis journalistes qui ont accompagné les coordonnateurs Brazzaville, bien sûr avec toute l'équipe.